Bonjour à tous, vous venez de me voir rentrer l'isolation en toute franchise. C'était il y a quelques semaines pour moi. Là, j'ai les mains sales, j'ai un peu de joint et je viens de finir la pose du pare-vapeur. Globalement, vous avez le début et la fin de ce chantier. On se retrouve là-haut et je vous explique étape par étape ce que j'ai fait. Allez, bon film! Vous aurez compris, la toiture elle est ancienne, j'ai pas la possibilité d'y remettre une étanchéité par l'extérieur sauf à tout refaire. La seule possibilité que j'ai de me prévenir de la condensation, c'est donc de ventiler. J'ai donc entre les chevrons en bas une grille, également au niveau de la panne faîtière d'autres grilles qui vont m'assurer sur ces 8 cm de lame d'air, normalement une ventilation qui devrait être optimale. Vous venez de me voir attaquer la deuxième partie de ce chantier de rénovation. Dans cette deuxième partie, je veux isoler les rampants. Il fait extrêmement beau aujourd'hui. Vous voyez, j'ai le soleil dans la figure. Pour autant, on reste au mois de janvier. Les températures sont encore fraîches. J'ai ce gros bloc froid au milieu de la maison et j'ai hâte d'attaquer. Alors, parlons de l'isolation. L'isolation retenue ici, c'est de l'isolation en laine de bois. J'ai posé ce type d'isolation dans l'atelier et j'en suis extrêmement content. La marque, cette fois-ci, la marque retenue, c'est de la marque Steico. Et je tiens tout de suite à remercier Steico France qui m'a accompagné. J'ai envie de dire qui m'a éduqué. Vous savez, quand on a vécu 20 ans à La Réunion comme moi, partir dans un chantier d'isolation, c'est vraiment partir dans un monde inconnu. Et j'imagine que même pour des gens qui ont vécu toute leur vie en métropole, eh ben, c'est pas forcément simple. Donc voilà, très très loin de vous faire un tuto, mais j'ai envie de vous faire une chronique d'un chantier de rénovation avec tous les apprentissages, j'ai envie de dire avec les bons tuyaux, avec les astuces, non pas celles que j'ai inventées, parce que là j'ai été extrêmement bien accompagné. On parlait de Steico France à l'instant. J'ai été accompagné, on m'a proposé, on m'a expliqué. Par exemple, vous venez de me voir faire de l'isolation, pas de l'isolation, de l'aération. Pourquoi faire des trous? Pourquoi créer des courants d'air lorsque l'on va faire de l'isolation? Bah regardez derrière moi, ici l'OSB qui avait été posé par l'ancien propriétaire, il est tout moisi. Derrière l'isolation, il n'y avait pas de ventilation et du coup, il y avait de la condensation. Alors non seulement c'était un isolant mince qui franchement n'isole pas grand chose, on est sur une toiture qui est relativement récente mais pas assez récente pour avoir un pare-pluie à l'extérieur, donc je ne vais pas pouvoir recréer quelque chose d'absolument optimal comme ce que j'ai fait sur l'atelier avec cette couche rigide qui fait en même temps pare-pluie et qui fait en même temps une continuité parfaite sans pont thermique. Ici j'isole par l'intérieur, donc ça sera pas parfait, mais j'avais envie que ça soit le mieux fait possible et en ça Steico m'a extrêmement bien accompagné, j'ai envie de dire m'a éduqué, et derrière l'entreprise Matériaux Naturels qui est à 30 minutes de chez moi, eh ben, a parfait, j'ai envie de dire, cet apprentissage, cet accompagnement. Je remercie énormément les deux, je mets tous les liens dans la description. Matériaux Naturels, c'est une entreprise qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à des matériaux d'isolation, des matériaux de construction eh ben, qui sont loin de la chimie, qui vont avoir un impact qui est minimum. Donc moi, je m'y retrouve énormément. Et c'est une entreprise qui est habituée à accompagner du particulier partout en France. Donc c'est une entreprise qui est disponible, c'est une entreprise qui explique, c'est une entreprise qui va, dans mon cas, être juste parfaite. Et donc je profite de cette introduction de vidéo pour les remercier très très chaleureusement pour leur accueil et pour la manière dont ils m'ont accompagné sur ce projet. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vous explique ici avec ce petit dessin un petit peu ce que je vais faire et comment je vais m'y prendre. Sur les murs ici, ici on est sur un mur qui n'est pas du tout isolé ni intérieur ni extérieur. Je vais rajouter 120 mm de laine de bois. On en parlera dans une seconde vidéo. Mettre plus de laine de bois, mettre plus d'isolant par l'intérieur sur un mur épais, c'est problématique parce que ça va trop refroidir le mur. Alors, j'ai pas encore bien compris tous les phénomènes. Si j'arrive à avoir plus d'infos, je vous en parle une prochaine fois.
Et au niveau du rampant, je vais ajouter 240 mm d'isolant en une seule fois, de la laine de bois semi-rigide. Et la manière de la poser, ça va être avec ce type de suspente ici. Va venir fixer dans une fourrure métallique. Alors au départ j'étais parti sur un système 100% bois, au final c'est beaucoup plus compliqué, ça me coûtait plus cher, ça me faisait perdre plus de temps. J'ai décidé d'être pragmatique, d'accepter de faire rentrer des éléments de fabrication plus modernes qui me permettent d'être plus proche des DTU. Pourtant vous savez bien que le DTU, j'en pense pas forcément que du bien, mais voilà. J'ai fait ce choix là, il y aura une deuxième moitié de maison à rénover, peut-être que je ferai d'autres choix. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Et donc, la première partie, la partie basse ici, et la première étape du chantier, ça va être de positionner toutes ces fourrures de telle sorte que, en même temps, j'arrive à glisser l'isolant dans cette partie basse et il faut que j'arrive à remplir tout ce vide derrière. Donc, mon toit est avec une pente de 30 degrés. J'ai coupé une première bande de 30 degrés qui va venir ici en affleur. Ça va me permettre de générer ce type de chute, même si celle-ci n'a pas tout à fait la bonne dimension, qui va venir se loger ici et qui va faire apparaître les suspentes entre deux plaques et sur lesquelles je viendrai clipser les fourrures. Mais pour que ce isolant soit soit fixé, je viendrai mettre après avec des rosaces et des grandes vis qui font presque 300 mm dans les chevrons, je vais pouvoir venir les maintenir de cette manière. Le tout doit être à chaque fois comprimé, on va dire dimensionné 5 mm à 1 cm un peu plus grand pour que tout tienne en force. Et la position de cette fourrure est importante parce que vous le voyez avec l'axe que j'ai pris sur l'appareil photo, la suspente qui est ici va venir porter une fourrure qui doit se retrouver le plus près possible de l'angle. Moi ça sera pas du placo, ça sera du fermacelle que je vais venir visser dans ma structure métallique. Donc cette première ligne ici est le premier alignement que je vais faire au laser pour poser toutes ces suspentes. Après l'écartement, eh ben, finalement ne dépendra que de la largeur de l'isolant, 60 cm dans mon cas. Donc les suspentes seront mises à 595 mm pour pouvoir comprimer un peu l'isolant. Mais donc ici, je sais que par rapport à ma verticale de l'isolant, j'ai mon petit décalage à mettre ici. Je vais aller à l'autre bout de la pièce, je vais faire le même décalage et je vais tout régler au laser. Allez, première étape, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Mon objectif, c'est, allez, en une grosse semaine, je vais bientôt aller sur le salon Eurobois. Mon objectif, c'est que avant le salon Eurobois, ici, le rampant soit isolé. Alors, il y a du boulot. Je suis surmontré à ce niveau-là, je suis surmontré de l'autre côté, donc je sais que ma ligne ici au laser va me permettre de venir fixer chaque suspente. Voilà. Je vais leur faire leur trait d'axe.
venez de me voir pas mal galérer avec des angles à gauche, à droite, un peu dans tous les sens. Et oui, dans ma région, les toits sont en arrêtier. J'ai trois pans de toit qui se rejoignent. On voit bien la complexité de la charpente qui est au-dessus de moi. J'avais peur que ça génère beaucoup de chutes. Au final, j'ai fait un sac et demi de copeaux en chute. Et donc, l'isolation qui n'est pas en train de me maintenir au chaud va me réchauffer dans l'atelier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vous laisse pour la fin de cette vidéo avec la pose du pare-vapeur. Et nous, bah, si vous êtes abonné ou si vous avez activé la petite cloche, on se retrouve la prochaine fois. Alors, je ne sais pas encore, soit ça va être la réalisation du plancher, parce que je veux faire un plancher un peu spécial ici pour la mezzanine, soit sur la pose du fermacell s'il est arrivé et si j'ai le courage de me lancer, parce que une fois de plus, en rampant, bah, c'est quand même pas mal de galères et beaucoup d'énergie pour réussir à faire quelque chose de propre. Allez, je vous attends dans les commentaires. À très très vite. Bye bye.